C'était une super finale avec des très beaux joueurs. On a dû faire face à une très belle équipe de Caen. Maintenant, la victoire est là, donc tant mieux et on va en profiter pleinement. Ah, franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour tout vous dire, j'ai même lâché une petite larme. Voilà, c'est quelque chose d'inoubliable, je l'oublierai jamais de ma vie. Et franchement, très content de notre parcours, de tous mes coéquipiers, tout le staff. Franchement, je les remercierai jamais assez. Ouais, une victoire difficile. On a eu un match équilibré. Les deux équipes, elles auraient pu, on va dire, prendre l'avantage au score. Maintenant, l'essentiel d'une finale, c'est de la gagner. On l'a gagné, et donc ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on courait après et on a réalisé, je dirais presque l'exploit. On l'a fait et c'est l'essentiel. Une émotion très forte. Je suis très content de la victoire. Notre unité hors et sur terrain, elle a fait effet. Je suis très content. Et allez l'OL, qu'est-ce que l'Olympique. Qu'est-ce que t'as pensé du match? C'était difficile, hein? C'était un match difficile, certes. Mais avec la force et la dalle, on a réussi à faire face à cette difficulté et on est très heureux. Hey, hey, qui ne saute pas les baïonnettes? Hey, qui ne saute pas les baïonnettes? Hey, qui ne saute pas les baïonnettes? Ouais, c'est vrai, parce que je fais un bon match, soi-disant. Donc, tout ce qu'il faut pour avoir fait un bon match et aider l'équipe à gagner, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu ressens là? L'émotion forte, de la joie, de la... C'est tellement grand, c'est indescriptible. Donc voilà. Faut y voir pour y croire. Franchement, c'est quelque chose de magique. On est très contents, très heureux. Et franchement, c'est un travail qui paye. C'est un travail qui finit bien. On a commencé avec Saint-Etienne un match très dur. Et on s'est dit que si on passait le premier tour, on devait aller au dernier et gagner le dernier tour. Donc on l'a fait et on est très contents. J'avais connu le succès avec d'autres clubs, mais je veux dire, quand je suis venu à Lyon, par rapport à la qualité des joueurs, à la qualité du club, je pense que c'est normal qu'on ait cet objectif. Après, on l'a atteint et on peut être fier des joueurs. On peut remercier aussi tous les différents staffs de l'académie, que ce soit des U17, des plus petits aux plus grands, parce que c'est le succès de tout le monde. Et particulièrement, entre guillemets, pour cette année, on va dire staff U17, U19 et N2, parce que tout le monde s'est mis à disposition de cette équipe et a fait le maximum pour qu'on obtienne le succès. Ça a été un match compliqué, mais bon, c'est dans les matchs compliqués que les victoires sont les plus belles. Donc franchement, inoubliable. Qu'est-ce que tu ressens là? Là, franchement, je pourrais même pas vous expliquer tellement c'est beau. C'est magnifique, on va bien fêter ça, on va ramener la coupe à Lyon et on fêtera ça bien comme il faut. Qui ne saute pas des baïonnettes? Hey, qui ne saute pas des baïonnettes? Hey, qui ne saute pas des baïonnettes? C'est fabuleux au Stade de France, comme vous voulez voir. Un stade magnifique, dans de bonnes conditions. Et franchement, il n'y a pas mieux pour jouer une finale de Gambardella et la gagner surtout. Voilà! 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 Voilà!